proche du plan d'eau des tortues qui claquent du bec. Pourquoi font-elles clac-clac? Je ne veux pas qu'elles me mordent. Don't worry, Fleur. Je sais comment traverser sans danger. Pour clouer le bec aux tortues, il suffit de claquer des doigts, comme ça. Oh, j'y arrive, moi aussi. Est-ce que tu sais faire claquer tes doigts? Very good. Génial. Attention, tortue droit devant. Claque des doigts avec nous. C'est facile. Allez, claque des doigts. Des doigts à toute vitesse? Ça m'étonnerait que ce soit une tortue, Fleur. Est-ce une tortue? Non, qui est-ce? Shipper! Répète avec nous. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Oh, mince! Oh, oh, au secours! Help! Oh, sac à dos! Laisse shipper, Dora! Reviens ici, petite voleuse! Oui! Merci, Shipper, tu as été courageux. Personne ne touche aux affaires de mon ami Dora. Personne sauf moi. Oh, zut. Attends, ne pars pas. J'ai une surprise pour toi. Pour moi? De la part de Kate. Ah! On dirait que ça te plaît. Comment je suis? Great. Dis merci à Kate. Dora! J'ai apporté une fondue au chocolat. Et moi, j'ai pensé aux fraises, regarde. Come on. Cette porte est fermée à clé, Babouche. Est-ce que tu vois la clé? Thanks! Ça y est, on est entrés! Et nous sommes au monde de l'arc-en-ciel! Come on, my friend! On y est presque! Allons-y, let's go! On est arrivé au sommet du mont de l'arc-en-ciel. On va pouvoir pique-niquer. C'est gagné. We did it, tous ensemble, tous pour un. Chacun de nos amis a reçu son cadeau avec joie. C'est gagné, together, tous pour un. Puis au plan d'eau des tortues, on a tous claqué des doigts. Clac, 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 yeah. Au sommet du mont Arc-en-Ciel, nous sommes arrivés! Et maintenant, avec Babouche, nous allons pique-niquer! Wouhou! We did it together! Tous pour eux! C'est gagné! Tous ensemble et tout va bien! We did it tous pour un! C'est bon le chocolat, hein? Miam, 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 miam! It's delicious! Est-ce que ça te plaît, Fleur? Au fait, merci de m'avoir aidé à distribuer les cadeaux. Quel cadeau? Ne t'en fais pas, Babouche. Je ne t'ai pas oublié. Appelle sac à dos une dernière fois avec nous. Sac à dos! C'est pour moi? De la part d'Emma. C'est une photo de nous tous qui a été prise dans ta cabane, Dora. Oh, je l'adore, merci. Oh, c'est très gentil de la part d'Emma. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir pour amie. Je suis très contente de t'avoir pour amie, Dora. Moi aussi, Babouche. En aucun cas, je n'aurais raté ce rendez-vous. Il faut aider des filles à rentrer à la maison. Dans sa maison. Ses proches ont besoin d'elle. Les laisser seules, pas question. Non, pas question. On galope, on saute jusqu'au plus haut sommet. Comme si on avait des ailes.
Baby doit rentrer chez elle à Cavalli. Nous sommes au pied de la montagne. Je suis presque chez moi. Je n'ai plus qu'à grimper jusqu'en haut. Tiens donc, pourquoi je ne suis pas étonnée? Quoi? C'est toujours quand on croit toucher au but qu'un nouvel obstacle se dresse sur la route. Wow! C'est un... griffon! C'est une bête féroce! Je croyais que seuls des chevaux magiques habitaient ici. Hélas non, beaucoup d'animaux ailés ont élu domicile à Cavalli. La plupart sont inoffensifs. Mais pas celui-là. Qu'est-ce que tu fais, Valérie? Debbie doit rentrer chez elle à tout prix. Fais-moi confiance, Kate, et tout ira bien. Transformation! Waouh! Cool! Kate s'est changée en chevalier. Génial! Croisez les doigts! On va rugir pour montrer au griffon qu'on n'a pas peur de lui. Fais... Encore une fois! Bravo, Valérie! Je suis vraiment intrépide! Quel courage! Bravo, Valérie! Kate, tu m'as beaucoup impressionnée, toi aussi, tu sais. Thank you. Et merci à toi pour ton soutien. En avant, my friends. Papa. Ah, Debbie, tu arrives juste à temps, ma chérie. Attends, pourquoi? Oui, qu'est-ce qu'on fait ici? Debbie a dit que c'était une surprise. Oh, que se passe-t-il? Quelque chose d'important. Papa, ça y est. Look, je crois que c'est la maman de Debbie. Maman. Et qui est juste derrière elle? Oh. Mais oui, c'est un bébé licorne. Debbie, ma chérie, dis bonjour à ta petite sœur. Bonjour, bébé. Alors, c'était ça la surprise? Oui, c'est pour ça qu'il y a eu de l'orage. Quand une licorne vient au monde, la terre tremble, le vent souffle, les éclairs zèbrent le ciel et on entend des roulements de tonnerre. Debbie, tu es sa sœur aînée. À toi l'honneur de faire pousser sa corne en effleurant son front avec la tienne. C'est ainsi que les licornes accueillent un nouveau membre dans leur famille. Fantastique! Quelle couleur incroyable! Oh, c'est trop beau! Youhou! Wow! C'est magnifique! Quel bel arc-en-ciel! Oh, j'aurais tant aimé que Pablo voie ça! Me voilà! Pablo! Regardez, Pablo nous a rejoints! Et il a emmené nos petits cavaliers en herbe! Bruno nous a conduits ici! Waouh! Il est immense! Bonjour les enfants! Qui a envie de monter sur un cheval magique? Wow! Des chevaux magiques! Ils sont beaux! Je veux monter! Moi aussi! Ouais! On a aidé Debbie à rentrer chez elle pour fêter l'arrivée de sa petite sœur. Et les enfants du ranch Urbano vont apprendre à monter des chevaux magiques. Avec toi, le succès est au rendez-vous. All together! Chante avec nous! Hey, hey, hey! Ensemble, tous pour un, c'est le meilleur moyen. Chacun aide chacun, tous pour un. Oh, c'est de la neige fraîche déposée par la tempête. Oh, mais il faut que j'arrive à temps pour sauver Carolina des griffes de ce monstre. Il n'y a plus un instant à perdre. Je vais activer mon bracelet magique. Examine attentivement toutes les breloques. Il y a un bretzel, un pinceau, un renne et un poisson. Qui peut galoper dans la neige?
Le renne, tout à fait. Pour se mettre en action, il a besoin qu'on l'appelle Magic Reindeer. Encore une fois, Magic Reindeer. Allons vite porter secours à Carolina. Dis, hey dada, hey dada. Encore une fois, hey dada, hey dada. Accrochez-vous, les amis. Waouh, ça galope vite, Reine. On est déjà arrivé. Thanks, reindeer. Oh, 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 là-haut, regardez, c'est Carolina. Wow. Et là, c'est l'abominable homme des neiges. Il faut que j'aille lui porter secours. Frissonne. L'abominable homme des neiges est vraiment effrayant. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Dis vite le mot magique. Pousse, Frissonne, pousse. Continue, Carolina, ça marche. Il faut que je devienne très très grand, comme un géant. Attends, on va t'aider, Carolina. Dis, pousse, Frissonne, pousse avec nous. Pousse, Frissonne, pousse. Encore une fois, pousse, Frissonne, pousse. Wow, Frissonne est presque aussi grand que les sapins. L'abominable homme des neiges s'enfuit en courant. Bravo, bien joué, Frissonne. Tu m'as tellement manqué, je suis si heureuse de te retrouver. Tu sais bien que pour toi, j'aurais parcouru la terre entière. C'est ça, quand on a les meilleurs amis. L'un pour l'autre, on est toujours là en cas de besoin. C'est bon d'être les meilleurs amis. Amis, jamais on ne se lâchera la main. Le camion de Grenmar est dans un triste état. Mais ensemble, on va tout arranger. Tout arranger. Il faut nettoyer cette poussière tenace. Et puis tout ranger à sa place. Le rouleau à pâtisserie, la spatule et toutes les tasses. Yeah! Pas de temps à perdre, allez, on y va. On veut une cantine et pétille et cracra. Faut nettoyer sans s'arrêter. Et on frotte, frotte pour tout arranger. Pour tout arranger. Va nettoyer sans s'arrêter. Betty est une vraie beauté. Go Betty, go Betty. On a nettoyé sans arrêter. Merci de nous avoir aidés. À Playa Verde, on parle anglais et français. On va appeler les enfants dans les deux langues à l'aide du micro. Dis come and eat. Dis viens, on va manger. Dis come and eat. Dis viens, on va manger. Ils nous ont entendus. Les enfants suivent Betty. Youhou. Viens au camion restaurant. On va tous manger maintenant. C'est l'été, elle est sur roue. Notre cantine. Hey oh, hey oh. Viens, on va manger. Hey oh, hey oh. Come and eat, c'est notre cantine. Viens, on va manger. Hey oh, hey oh. Come and eat, c'est notre cantine. Yeah. On y est, les enfants. Je me garde devant la bibliothèque. Au travail, il faut préparer les assiettes. Qu'est-ce que c'était? Oh! Le riz déborde. Il y en a trop. Oh! Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce riz, Alana? J'ai une idée. Ne vous en faites pas, les amis. J'ai tout prévu. Ah oui? Explique-nous ça en vitesse. Il pleut du riz.
J'ai une super recette. Des poivrons farcis au riz, au maïs et aux haricots rouges parsemés de grains de maïs au poivre. Je vais les appeler des poivrons farcis surprise. J'en ai l'eau à la bouche. Miam, miam. Dépêchez-vous maintenant, il y a la queue dehors. Et le maire ne va pas tarder à arriver. Il était une fois... Come and eat. Viens, on va manger. Alana, venez, on va manger, les amis. Come and eat. Génial. Ça a l'air bon. On va se régaler. Tu as vu tous les enfants qu'il y a? Notre menu a beaucoup de succès. Ils adorent tes poivrons farcis surprise, Alana. Hé, ça ne me fait pas éternuer. Et c'est vrai que c'est super bon, les poivrons. Pas besoin d'ajouter du ketchup. Dora, voilà le maire. Monsieur le maire, vous vous souvenez de mes amis, Dora, Alana et Pablo? Bien entendu, le jardin collectif. Un sacré beau projet, déjà. Je dois dire que vous ne manquez pas de bonnes idées, les enfants. Non, vraiment, je suis fan. Dorénavant, ce sera le service de restauration de la ville qui prendra en charge la préparation des repas. Alors, rendez-vous avec Betty ici demain à la même heure. Et c'est grâce à Dora, Alana, Kate, Pablo et toi. Ça va être la fête tous les midis pendant toutes les vacances. Fin, 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 Alana, Alana. Thank you very much. Les vacances, c'est chouette, mais avec les copains, c'est encore mieux. Pablo, je crois que ta chaussette t'a parlé. N'importe quoi, ça parle pas à une chaussette. Normalement, non, mais celle-là, si. Tu vois bien que je parle. Je ne suis pas une paire de chaussettes ordinaires, je suis Mo, le singe chaussette. Salut Mo, je m'appelle Dora et voici Alana et Pablo. Pablo, pourquoi est-ce que tu m'as arraché à ma fête? Tu faisais la fête? Oui, c'est mon anniversaire et je m'apprêtais à souffler les bougies quand tu m'as attrapé et tu m'as enlevé à mes amis. Oh, désolé. Il faut que j'y retourne, mes amis doivent être inquiets et les bougies d'anniversaire vont fondre. Eh bien... Et j'ai super envie de goûter au gâteau. Oui, mais... Attends, il est à quel parfum ton gâteau? À la noix de coco. Hein? C'est le gâteau préféré de Pablo. Il faut qu'on aide ce petit singe à rentrer chez lui en vitesse. Je savais que tu comprendrais. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu pourrais essayer de me remettre dans le coffre. D'accord, vas-y. Aidez-moi, j'arrive pas à toucher le fond. L'atterrissage est un peu brutal. Tu n'es pas assez rembourré. En route, allons tous fêter l'anniversaire de Mo le singe chaussette. Souviens-toi, il faut d'abord aller tout droit. Go straight, Squeaky. Straight. Tout droit, à droite, à gauche. Dis-le avec nous. Tout droit, à droite, à gauche. Oui, nous fêterons tous très bientôt l'anniversaire du petit singe Mo. Chaussette nouvelle ou vieille, chaude ou bien gelée, rouge ou bien blanche, multicolore ou rayée, quel chemin prendrons-nous? Tout droit, à droite, à gauche. On est déjà allé tout droit, alors où doit-on aller maintenant? À droite, oui. Who, right, Dora? Tout droit, à droite, à gauche. Dis-le avec nous. Tout droit, à droite, à gauche. Oui, nous fêterons tous très bientôt l'anniversaire du petit singe Mo. Chaussettes bien hautes ou basses, chaussettes à trous, certaines se dépêchent, d'autres aiment les caresses. Tout droit, à droite, à gauche. On est déjà allé tout droit et à droite. Où va-t-on ensuite? À gauche, exact. Left, ok. Oui, nous fêterons tous très bientôt l'anniversaire du petit singe Mo. Le crocodile se dirige vers le gâteau. Il va tout manger. Ah. Non.
Les amis, regardez le crocodile. Oh, il a l'air très malheureux. Crocodile, I'm Dora and this is Mo. What's wrong? I'm sad because they run away from me. Le crocodile dit qu'il est triste parce que tous les autres animaux fuient dès qu'il s'approche. Oh, c'est vrai, vous avez entendu? Il ne cherche pas à nous faire peur, il veut juste être notre ami. Oh, fallait le dire. Je l'invite à faire la fête avec nous. Oui, come and join our party. Oui, mangez-vous plus au riz. On va lui demander tous ensemble. Allez, avec moi. Come and join our party. Come and join our party. I'm invited? Yes. I'm very happy. Les bougies font de la vitesse grand V. Souffle-les vite, Mo. Oui, dépêche-toi. Hey, vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on souffle les bougies tous ensemble. Alors fais un vœu et inspire une grande bouffée d'air. On a rapporté les animaux chaussettes de notre voyage pour les montrer à nos invités. Avec toi, le succès est au rendez-vous. All together. Chante avec nous. Hey, hey, hey. Ensemble tous pour un, c'est le meilleur moyen. Chacun aide chacun. Tous pour un. La reine est vilaine. La reine est vilaine. La reine est vilaine. Non. La reine est vilaine. J'avais dit ça. Je voulais juste vous expliquer pourquoi. La reine est vilaine. La reine est vilaine. Non, la écoutez-moi. La reine est vilaine. Chut, écoutons Alex. Oui, il connaît la reine mieux que personne. La reine n'est pas vilaine du tout. Elle a toujours été très bonne et très gentille avec moi. Et moi, comment je l'ai remerciée? En lui volant son collier. Vous ne pouvez pas savoir combien je m'en veux. Mais alors, si la reine est gentille, c'est le sorcier qui est méchant. Oui, reprenons-lui le collier. Et allons le rendre à la reine. La reine est gentille. Elle a toujours été bienveillante avec les lutins. Non, attendez. Ne m'approchez pas. La pierre est dangereuse. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si vous essayez de la prendre. Oh, le cristal a transformé les lutins en statues de pierre. Non. Pourquoi tu fais ça? Alex, je n'y suis pour rien, je t'assure, c'est cette pierre maléfique. Sorcier! Non, tu ne peux pas lui faire ça, c'est mon ami, tu n'as pas le droit. Alex s'est mis devant la reine pour la protéger. Non! Merci Alex, tu m'as sauvé la vie. Mais pourquoi m'as-tu trompé? Lui as-tu donné ce collier? Je sais, je n'aurais pas dû, mais vous comprenez, c'est pas vrai. Oh, Alex, what did you say? Oh, désolée. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire sortir du donjon. C'est à cause de moi qu'il était emprisonné. Et puis c'est mon père, vous savez. Attends une minute, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Tu es le fils du sorcier, Alex? Oui, tout le monde le sait. Je n'étais pas au courant. Tu me l'as peut-être dit, mais je n'ai pas compris. Ce serait bien que tu articules un peu plus, parfois. En tout cas, c'est mon daddy. Et comme tous les papas, il m'aime très fort et moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais il a changé tes camarades en statues. Il ne l'a pas fait exprès. C'est la faute du bijou. Il faut qu'on détruise ce maudit cristal. Oui, tu as raison. Mais je crains que ce ne soit pas si facile. Ça me donne une idée. Je crois que je sais comment nous débarrasser du cristal. Come on! Regardez, le sorcier essaie de détruire la pierre. Mais il n'y arrive pas. Dora, quelle était ton idée? Pablo, look. La dragonne. Dora, quelle idée fantastique. Une dragonne? Oui, votre majesté, je suis quasiment sûre qu'il y a une dragonne cachée au fond de l'eau. Oh, ce serait merveilleux, Dora. Son souffle serait sans doute assez puissant pour détruire la pierre maléfique. Alors faisons-la vite sortir de sa cachette. Daddy, watch out! Appelons la dragonne tous ensemble. Dis Mommy Dragon. Encore une fois, Mommy Dragon!
lutin s'enivre. Ouais. Grande reine, cela fait des années que je rêve de détruire cette maudite pierre, mais j'ignorais que vous seriez d'accord. Et moi, je croyais que vous aviez essayé de la voler pour vous accaparer ses pouvoirs. Je comprends maintenant que votre seule motivation était de protéger Playa Verde. Je n'aurais jamais dû conserver ce collier. Votre Majesté, veuillez accepter mes excuses. Non, j'aurais dû vous écouter au lieu de vous enfermer dans le donjon. Une reine a besoin d'un conseiller pour prendre ses décisions. Accepteriez-vous de devenir mon fidèle conseiller, sorcier? Avec grand plaisir, Votre Majesté, j'en serai très honoré. Ça veut dire qu'on pourra rester ensemble désormais, Daddy. We're coming, Quackers. On n'avance pas assez vite. Aide-nous à faire avancer ce canoë. Tends les mains en avant et rame avec nous. Une, deux. Allez, tous en rythme. Rame pour ramer. Quackers, faut le rattraper. Le canard est dans le pétrin. Aide-nous si tu veux bien. Rame pour ramer. Malgré le courant important, on peut sauver le canard en ramant. Wow, attention, rapide. Accélère le rythme. Une, deux. Rame pour ramer. Quackers, faut le rattraper. Sans ralentir, il nous faut ramer. Ça y est, on le rattrape. Un dernier petit effort, courage. Une, deux. Quackers. Quoi? You're safe now, Quackers. Quoi? Oh, I love you too. Quackers. On a retrouvé mon canard enfin. Merci à toi de nous avoir aidé à ramer. Yeah! Woohoo! Quel super dessin! Quoi? Vous voilà enfin! Quoi? Que vous a dit la responsable? Est-ce que Quackers peut rester? Ce n'est pas encore gagné. S'il s'échappe à nouveau, tes parents devront venir le chercher, Kate. C'est compris. Je vais lui dire de ne pas bouger. Quoi? You need to stay here. Stay here and wait for me. Quoi? Je vous en prie, autorisez-le à rester. Il est très obéissant. Je lui ai dit de ne pas bouger et il est toujours au même endroit. Kate? Oui? Regarde. Oh non, il a disparu. Je lui avais pourtant dit de ne pas bouger. Il a dû se passer quelque chose. Quoi? Wait for me, Quackers. Où est-ce qu'il court comme ça? Oh, attends-moi. On va aller voir ce qui se passe. Kate, je me demande si ton canard n'a pas flairé un danger. Y a-t-il quelque chose dans les bois? Qu'est-ce que c'est? Un ours! Regardez, Quackers cancane très fort pour essayer de faire peur à l'ours. Bonne idée, imitons-le. Fais coin-coin avec nous. Coin-coin. Encore une fois. Coin-coin. Ça a marché, l'ours est parti. Very good, Quackers. Oui, bravo, Quackers, tu es un héros. Regardez, la maman ours était à la recherche de son petit. Oui, et maintenant qu'elle l'a retrouvé, elle le ramène dans la montagne. Je suis fière de toi, mon grand. Tu peux, il a été formidable. C'est un canard super malin. Et très courageux. Ça veut dire que je peux le garder? Après un tel exploit, je ne peux pas le renvoyer. Quackers sera la mascotte du camp Bella Vista cette semaine. C'est bon, Kate, il peut rester. Tu as entendu, Quackers? You can stay with us. Quoi? Mon petit canard est très content. Et parce que vous venez de faire preuve de beaucoup de courage, je vous décerne à tous deux la perle de l'aventurier. Génial! Oh, qu'elle est belle! Waouh, ma première perle pour mon beau bracelet. Look, Quackers, this one is for you. Quoi?